L'Australie est toujours en proie à d'importants incendies de forêt, en particulier dans la région d'Adélaïde au sud du pays, où les flammes ont déjà ravagé plus de 12 000 hectares de végétation et détruit une trentaine d'habitations. Et la météo n'annonce rien de bon puisque de fortes chaleurs et du vent sont annoncés dans les prochaines 48 heures. Il risque d'attiser un peu plus ce brasier, l'un des pires qu'a connu le pays depuis ces 30 dernières années. L'Australie est habituée aux feux de forêt, mais ils arrivent cette année un peu plus tôt que d'habitude en raison des températures caniculaires qui dépassent les 35 degrés à Adélaïde. Selon les autorités australiennes, 2014 a été la troisième année la plus chaude enregistrée depuis un siècle.